Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu avec la vidéo d'avant générique, on va parler d'une grosse bête. Une grosse bête submersible IP68 qui résiste à tout. Il est de la marque Nomu, Nomu, comme vous voulez. C'est le grand frère du S20 déjà testé. C'est, je le présente, le S30. Le S30, c'est une grosse bête. Une grosse bête, a priori bien costaud, qui va vraiment sous l'eau, comme son petit frère. Il résiste à tout, soi-disant. Je n'irai pas celui-ci le congeler, parce que je crois que le S20 a prouvé que Nomu savait faire des smartphones costauds et qui résistent bien, a priori, à toutes les actions quotidiennes, qu'elles soient chute, congélation, et c'est vrai que ça arrive souvent. En tout cas, ça résiste aux grosses chutes, à la neige, à l'eau, à la pluie, à la boue. Bref, un téléphone qui résiste à tout. Mais la différence avec le S20, vous allez le voir rapidement, c'est que ce modèle est suréquipé. On va aborder ça tout de suite après le tour de la boîte. La boîte, exactement la même que le Nomu S20. Vous voyez, il n'y a rien du tout à part l'étiquette qui vous rappelle juste que c'est bien le Nomu S30. Alors, ouvrons la boîte. Alors, pour ce qui est du contenu de la boîte, Nomu n'en fait pas trop. Un chargeur, un câble, une dock en chinois et rien de plus. Voilà. Le tour est très rapide. Pour l'instant, Nomu est une toute jeune marque. Ils ont préféré faire des téléphones, disons, très résistants, a priori. Et donc, pour le reste, ils n'en ont pas fait trop. Une boîte en carton recyclé, mais surtout, un téléphone, donc, très résistant. On va aborder, donc, tout de suite, le tour du téléphone avec, tout de suite après, les résultats des benchs. Alors, on y va. Alors, le tour de ce téléphone, c'est un téléphone au look, on va dire, plus que classique pour ces téléphones dits super résistants, super costauds, mais il apporte quelques touches intéressantes, je trouve. Alors, premier point, sa face arrière, façon carbone, bien entendu, ce n'est que du plastique. Ensuite, les profils latéraux qui sont en aluminium, métal et bien vissé, vous le voyez. Un grand écran de 5,5 pouces, plutôt costaud. Très clairement, lorsque vous l'avez en main, vous le tenez bien. Il est franchement costaud, mais peut-être très clairement un peu lourd. On verra ça à la fin. Alors, malheureusement, je dirais malheureusement parce que l'écran n'a pas de traitement de surface et il marque énormément les empreintes de doigts. Et ça, c'est vraiment dommage, surtout pour un téléphone qui est fait pour aller soi-disant sous l'eau ou en tout cas pouvant prendre l'eau facilement. Si traitement de surface il y avait eu, le tactile aurait beaucoup mieux fonctionné justement sous la pluie. Alors, faisons le tour maintenant de ce Nomu S30. Alors, sur le côté gauche ici, vous avez un bouton. C'est un bouton permettant, par exemple, de prendre des photos lorsque vous êtes sous l'eau. Moi, j'ai trouvé que le capteur sous l'eau, c'était pas terrible, donc je lui attribuerai très certainement une autre fonction. Sur le côté droit, le bouton Power et volume plus moins. À l'arrière, le capteur de 13 mégapixels. Capteur de 13, malheureusement, je dirais malheureusement interpolé en 16. Alors, on va dire que les photos de jour sont plutôt agréables et franchement plutôt pas mal. On verra ça un peu plus tard. Le seul défaut, je dirais que c'est son flash qui est simple LED. Et une simple LED qui fait un espèce de halo lumineux qui n'est pas, on va dire, largement diffusé. Voilà. Donc on est assez concentré sur le rayon de lumière. Ensuite, tout est protégé sur ce téléphone. Tout de A à Z. Ici, le casque. Alors toujours avec des gros joints,
à l'intérieur ici des petites trappes, toujours du gros caoutchouc et des gros joints. Là-dessus, il n'y a aucune bulle d'air qui ressort du téléphone lorsque vous le mettez sous l'eau. Ici, la trappe pour la recharge. Voilà. Vous avez le haut-parleur et le micro là-dessous, entièrement protégé, vissé. Donc des joints vraiment partout, partout, partout. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il est vraiment IP68 et sans défaut, parce que vous l'avez vu, il sortait de l'eau dans la vidéo de pré-générique et il n'y a aucune bulle d'air qui ressort du téléphone. Ici, vous avez la trappe pour les cartes SIM. Cette trappe, elle aussi, regardez bien, des gros joints ici tout autour. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 sérieux et franchement très très bien réalisé. Alors pour mettre les cartes SIM, vous avez une carte micro SD ici, la SIM 1, la SIM 2. Et les SIM, ce sont des trappes qui s'ouvrent et qui coulissent tout simplement. Vous remettez la trappe et une fois qu'elle est bien mise, elle est vraiment très bien mise. Ben écoutez, pas grand chose d'autre. Alors en façade, vous avez la caméra qui est une caméra de 5 mégapixels interpolée en 8. Vous le voyez ici avec la lumière, les capteurs se trouvent ici. Une grille protège le haut-parleur pour l'écoute. Vous avez des boutons rétroéclairés. Je vous le disais, ce téléphone est très costaud, il résiste à tout, mais il est aussi costaud à l'intérieur. Parce que ce téléphone est équipé du processeur MT6755 à 2 GHz. Attention, donc on n'est pas dans la cour des petits smartphones super costauds. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Premier point. En plus, il a une batterie de 5000 mAh. Ça commence à le faire aussi, vous tenez largement la journée. Pour le reste, on a un écran Full HD en 1080p. Il tourne sous Android 6.0. Je vous propose donc d'aborder tout de suite les résultats de tous les benchs. Première chose que vous pouvez voir, c'est un écran franchement lumineux et je trouve avec des belles couleurs. Ça reste un écran plutôt bien calibré en termes de couleurs. Alors, on va aborder tout de suite résultats des benchs et premier résultat AnTuTu avec le 6755, donc un résultat de 52 164 points. Les informations fournies par AnTuTu, vous êtes bien sur une marque Nomu avec le modèle S30, vous êtes sous Android 6.0, le MT6755 avec le GPU Mali T860, vous êtes sur une résolution Full HD. Une caméra arrière de 16 mégapixels, on voit bien l'interpolation ici. Ensuite, vous avez bien 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. À la livraison, il vous reste 52,71. Après l'installation de mes applications, 46,63. Il y a de quoi voir, venir et prendre des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez. Donc le MT6755, eh bien un 8 cœurs avec une fréquence max de 2 GHz quasiment. Donc le Mali T860, bref, Full HD, résolution de 480 dpi. La caméra en façade, 8 mégapixels, je vous le rappelle, c'était bien une 5 interpolée en 8. Ensuite, les fonctionnalités NFC supportées, à noter, hein, c'est important, c'est rare. Aujourd'hui, que des téléphones quand même peu chers proposent le NFC, le Nomu S30 le propose. Vous avez un accéléromètre, un capteur de gravité, un gyroscope, le capteur de lumière, un accéléromètre, un magnétomètre. Vous avez l'orientation, capteur de pression, capteur de proximité, les vecteurs de rotation et voilà. Donc, il est quand même plutôt, franchement, pas mal équipé. Je trouve ce Nomu S30. Ensuite, le screen test. Je vais le prendre en main. Vous verrez mieux. Je le rappelle, je ne marque. A priori, je dis bien, moi, je ne vois aucune fuite de rétroéclairage. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je n'en vois aucune. Voilà, des rouges bien flashy, mais pas trop, je trouve. Vert, pareil.
Les bleus, c'est un bleu outre-mer plutôt profond. Les niveaux de gris. Alors, les niveaux de gris, à l'œil nu, ils rendent parfaitement. On va essayer de les trouver avec la lumière. Voilà, on les voit tous. Voilà. Très beau niveau de gris, mais toujours ce problème d'écran qui marque franchement très très facilement les empreintes. Je vous en parlais, la colorimétrie de l'écran. Rouge-orange, on fait très bien la distinction. Et le jaune-vert aussi, ainsi que les trois bleus. C'est du franchement beau travail côté calibrage des couleurs. Je vous le disais, bouton rétro-éclairé. Voilà. On va continuer avec le multitouch. 10 points. Il est déjà testé, donc important aussi à noter, un vrai 10 points sur ce Nomu S30. Résultat des Pix Citadel, Full HD 40.8, un Mali-T 860 qui fait franchement un travail plutôt pas mal sur ce modèle. Un modèle qui me semble très sincèrement plutôt bien optimisé par Nomu. Alors, le GPS, premier fixe ou GPS data, 6 secondes. Avec 11 satellites fixés sur 22 visibles. Alors, on a un grand nombre de visibles, mais finalement, il en fixe assez peu. Ensuite, j'ai relancé avec GPS test. Regardez bien, sur ce résultat, c'est 18 utilisés sur 22 visibles. Excellent résultat, très sincèrement, excellent résultat. Alors, tout de suite, les résultats de Geekbench. Je le rappelle, MT6755, un single core vraiment pas terrible, 700 environ points, voilà, environ 700 points. Et par contre, un multicore, voilà, 2709, un 8 cœurs à 2 GHz, ça fait quand même le travail. Ensuite, résultat du GPU Mali-T 860, 1582 points en termes de score. C'est pas mal, mais il y a mieux, bien entendu, mais ça fait quand même largement le travail. Il nous reste à regarder les fréquences. SIM 1, vous avez l'ensemble des fréquences, la 3G 900, 1, 3, 7, 8, 20, et bien entendu, la SIM 2, uniquement le GSM ou 2G, comme vous voulez. Voilà, on a fini avec les benches et résultats GPS et autres. Donc, à noter, un GPS plutôt efficace, réactif, qui suit très très bien la route, d'ailleurs. Donc, un bon point de ce côté-là pour ce Nomu S30. On attaque maintenant la partie multimédia de ce Nomu S30. Pour commencer la partie multimédia, on va attaquer tout de suite par le son. Voilà, on est dans les favoris et on va lancer, vous avez l'habitude, notre titre habituel qui contient des médiums, des aigus et des bonnes basses. Voilà, ça nous permet de tester l'ensemble des fréquences sonores sur les téléphones. Je suis à fond, hein, vous l'avez vu. Alors, on est quand même plutôt dans les aigus. Ça vibre pas comme sur le Nomu S20, mais il y a beaucoup d'aigus. Alors, on va aller bouger vers les basses. Alors, résultat du test du son. Alors, c'est péchu, hein, c'est fort, voilà. C'est beaucoup plus fort que sur d'autres téléphones récemment testés. Mais malheureusement, ça manque légèrement
tout de même de médium bas. Alors, ça ne grésille pas, ça ne chuinte pas, le son reste audible malgré tout, mais il m'agresse personnellement un peu trop le tympan à cause de ses aigus un peu trop présents. Mais malgré tout, le son est quand même clair. Voilà. Mais ça manque de médium bas. Mais au moins, ici, en bas, ça ne grésille pas. Et ça, c'est un point quand même important à noter. On va regarder la qualité de la vidéo. La vidéo se charge. Voilà, je vous laisse regarder. Vous le voyez à l'écran, donc un écran lumineux, de belles couleurs, bien calibré, donc une belle colorimétrie. Je trouve, en tout cas c'est mon avis, un écran donc non grisonnant, sans filtre apparent ajouté sur l'image. Vous voyez vraiment que les couleurs sont vives, sans être exagérées, et surtout il est très très lumineux. Bien sûr, on est en Full HD, donc une belle définition. Mais très honnêtement, des belles couleurs. Et surtout, donc, vous l'avez vu par rapport au screen test, un écran bien intégré, sans fuite de rétroéclairage autour ou au milieu, ou sans aucune tache non plus. Et un très 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 beau détail sur l'image. Voilà. Donc on va s'arrêter là sur le test de la vidéo. Et vous voyez ce perroquet qui a vraiment de très très belles couleurs et des très très beaux détails, je le répète. Voilà. Je vous mets tout de suite photo et vidéo réalisées avec le capteur de 13 interpolé en 16 de ce Nomu S30. À vous de juger. Il nous reste au côté multimédia à lancer le jeu. Assoluto Racing, je le rappelle. On va monter quand même un petit peu le son. Voilà. Et on va lancer ça. En accéléromètre, on y va. Donc l'accéléromètre fonctionne, vous le voyez. Donc le son sort vraiment sur le côté, donc on l'étouffe un peu. Mais bon, c'est pas bien grave, tant que ça tourne. Un tour complet sans erreur pour une fois. Enfin, sans erreur.
on va dire quasiment sans erreur. Donc vous l'avez vu, ça tourne parfaitement, c'est fluide, belle couleur, belle luminosité. Je ne sais pas si ça rend pareil chez vous en vidéo, mais moi pour ma part, y jouer c'est très agréable sur cet écran. Voilà pour le jeu vidéo sur le Nomu S30. Un Nomu S30 qui est quasiment parfait, c'est presque un sans faute pour ce modèle. Il nous reste à aborder les derniers points qui sont les mesures et puis un peu tout ce qui est mensuration de ce S30. On aborde ça donc tout de suite avant les conclusions. La balance est à zéro, le S30 est ici, on le pèse 274 grammes. Alors ça fait un sacré poids, donc c'est vraiment peut-être un point qui le dessert, c'est son poids sur ce S30, un poids qui n'est pas vraiment contenu. Alors quant à son épaisseur, vous vous en doutez, vous avez un peu l'habitude de ces modèles dits super costauds, ils sont généralement pas très fins et c'est un peu le cas de ce S30. Alors au plus loin, entre 13,1 et 13,2 mm, 1,3 cm d'épaisseur, et c'est vrai que vous pouvez regarder, voilà, il est fin effectivement juste au bord ici, mais si on regarde l'épaisseur totale, voilà, ça fait son épaisseur, hein, donc ça ne rigole pas. Ensuite, est-il OTG ce modèle? On va regarder ça donc tout de suite. Alors les trappes sont pas toujours super pratiques hein, sur ces modèles. Vous le voyez, il faut la tenir avant de mettre correctement la fiche. Et il est, vous le voyez, OTG, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous pourrez y connecter votre clé USB pour charger vos photos, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je l'utilise. Ensuite, la prise casque. On va regarder si ça s'en fiche correctement. Et est-ce qu'on a bien le dernier clic qui permet de ne pas perdre le câble? Alors oui, il y est. Et il faut tirer quand même sérieusement pour pouvoir... Voilà, il est là. Vous avez quand même 274 grammes sous le câble. Donc, effectivement, il y a un moment où ça lâche. Hein. Voilà, donc logique, il y a quand même près de 300 grammes sous cette fiche jack de 3.5. Voilà, 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 on en a fini avec ce Nomu S30. On va aborder tout de suite les pour, les contre et la conclusion finale. Les pour, les contre et la note finale du Nomu S30, c'est tout de suite. Avec pour les pour, les performances globales du téléphone. Un téléphone performant, MT6755, Amalité 860. On est sur du moyenne gamme plutôt au-dessus d'un moyenne gamme traditionnel. Un bel écran 5,5 pouces Full HD. C'est donc un ensemble bien ficelé, un ensemble très cohérent qu'a réalisé Nomu avec ce S30. Ensuite, la RAM, 4Go de RAM, 64Go de ROM. On est sur le haut du panier des smartphones actuels équipés en RAM et en ROM. Un GPS efficace, vous l'avez vu. La batterie, 5000 mAh, donc très bonne batterie qui tient bien. Et enfin, c'est un vrai modèle IP68. Poussière, boue, eau, il résiste à tout. Et je l'ai testé, il résiste vraiment à tout. Vous avez vu la vidéo d'avant générique. Il résiste bien à être sous l'eau. Il est bien submersible. Ensuite, en contre, il n'y a pas de LED de notification. Point, petit point négatif. Et enfin, pas de scanner d'empreinte. Voilà, j'ai pinaillé, mais ça reste deux petits contres. Pour un modèle autour des 250, il aurait été bien qu'il ait un scanner d'empreinte. Et finalement, sa note finale, ici, vous le voyez, donc note finale de 8,5 sur 10, qui est plutôt pas mal hein, pour un smartphone de ce type. Il a des notes qui vont de 7 à 10. 10, je lui ai mis pour la batterie. Un prix de 9, parce que bon, il reste quand même très clairement abordable face à d'autres téléphones dits submersibles IP67 ou IP65 pour certains,
Là, on est quand même sur un téléphone IP68 qui résiste fortement à tout ce qui est poussière, boue et eau. Donc, il a une bonne note de ce côté-là parce qu'un prix vraiment compétitif. La caméra, c'est bien de jour, mais feignante la nuit, donc un petit 7. La finition globale, j'ai retiré un point pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a aucun traitement de surface. Alors, Nomu a sorti un film de protection pour l'écran de ce S30, un film qui est en verre trempé 9H, donc très dur, anti-empreinte et anti-goutte d'eau. Voilà, vous savez tout, c'est quelque chose donc à prévoir. Eh bien écoutez, on en a fini donc avec ce Nomu S30 que j'avais depuis quand même un petit moment. Je prends le temps que c'est calme en termes de réception de nouveautés, je les attends. J'en attends 3 pour tout vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, chers amis, que vous n'hésiterez pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre un commentaire, surtout me dire de ce que vous pensez de ce téléphone. Si quelqu'un est intéressé, je peux le vendre, je comptais le garder, mais finalement, si quelqu'un est intéressé, je suis prêt à le vendre. Et je le répète, mais pour toutes les personnes nouvelles qui viennent visionner mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que je le rappelle, tous les 1000, c'est un cadeau. Eh bien écoutez, sur ce, moi je vous dis ciao les amis, bye bye, et à la prochaine.